Salut, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi, c'est mon hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc d'abord mes meilleurs voeux à vous, voilà, et que tout ce que vous voulez pour cette année 2022 soit vraiment réel. Et puis j'espère que vous allez mettre tout de votre côté, pour tous vos moyens pour pouvoir obtenir cette bourse là cette année. Voilà, donc c'est le vœu que je peux vous souhaiter. Et essayez de me donner un pouce bleu, essayez cette année aussi de suivre mes vidéos parce que il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs chances de les avoir. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu de bourse, essayez de ne pas vous décourager et essayez aussi de postuler normalement. Voilà, donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bourse internationale de l'université de Padoue, et en italien c'est Padova. Donc pour cette bourse là, ça concerne la licence et le master. Et cette bourse, elle est hyper et entièrement financée. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler, ne négligez pas cela. Toutes les nationalités peuvent postuler. C'est une bourse italienne, voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que pour cette bourse-là, sachez que en totalité, la bourse et l'admission ont fini le 7 mars 2022. Mais l'admission prendra un peu fin, un peu plus tôt, c'est-à-dire le 2 février 2022. Donc, comme je vous l'ai dit encore, cette bourse-là concerne la licence et le master. Donc, essayez de postuler pour ne pas regretter après. Donc, pour ceux qui peuvent postuler, ce sont les universités, ce sont les étudiants qui ne possèdent pas la nationalité italienne. Il faut être titulaire d'un baccalauréat pour ceux qui veulent faire la licence et puis d'une licence pour ceux qui veulent faire le master. Voilà, donc ne pas résider en Italie aussi, c'est une des critères. Et puis, vous pouvez postuler à au moins 3 au maximum, je vais dire comme ça, au maximum 3 programmes pour cette année. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler, c'est déjà très important. Et pour ceux qui font par exemple comme ça la licence, sachez que les facultés que vous pouvez postuler, c'est on a les soins, des soins des animaux, ingénierie de l'information, sciences psychologiques, la technique et méthode en sciences psychologiques. Voilà, maintenant ceux qui veulent faire le master, il y a plusieurs options. Pour la licence, il y a 4 options, mais pour le master, il y a plusieurs options. Donc, sciences appliquées, astronomie, biotechnologie, administration des affaires, il y a psychologie clinique, il y a neurosciences. Pour cette bourse-là, vous pouvez postuler à la médecine et tout ça. Voilà, et je crois que pour le master, il y a un champ qui est très vaste, donc vous n'avez pas de problème pour cela. Voilà, donc pour ceux qui vont postuler à cette bourse, les candidats sélectionnés dans le cadre des bourses de l'université de Padoue seront exemptés des frais d'inscription et auront droit à une allocation annuelle d'une valeur de 8 000 euros, vous comprenez. Donc l'allocation sera payée en 2 versements. Il y aura 4 000 euros après ça, fin de procédure. Ils vont essayer de payer le reste. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les éléments sont étape par étape. Dans un premier temps, vous allez choisir votre plan d'études, vous allez vérifier les conditions, si ces conditions-là vous siennent, et vous allez préparer vos documents, vous allez vous inscrire sur le site. Tout à l'heure, je vais postuler comme ça, vous allez voir comment ça se passe pour ne pas rater, pour ne pas trop vite aller en besogne. Voilà, donc, vous allez vous inscrire sur Apply United en cliquant sur Become an Applicant, voilà. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez remplir le formulaire. Vous allez utiliser le code de candidature pour pouvoir confirmer votre mail et lancer votre candidature. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Mais avant de suivre cette vidéo-là, je vous demande de me donner un pouce bleu et puis on va essayer de le faire ensemble. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samo Hospital. Comme je vous l'ai dit, cette année, essayez de mettre tout de votre côté pour pouvoir postuler aux bourses. Essayez de postuler au maximum de bourses que vous pouvez. Voilà, donc moi, c'est ce que moi je peux vous dire, je peux faire pour vous, c'est trouver ces informations là, je vous envoie et vous postulez. Et lorsque j'ai le temps de pouvoir postuler avec vous en ligne, je le fais. Comme ça, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à suivre, qui ne savent pas vraiment comment postuler. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire, comment gérer tous ces documents, comment mettre les documents en ligne et puis comment aussi postuler. Voilà, nous sommes là, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui passe juste là, en inbox WhatsApp. Nous allons essayer de postuler ensemble, nous allons essayer de nous entendre et postuler ensemble. Voilà, donc c'était un peu ça les gars. Et puis, essayez de me suivre tout à l'heure, on va commencer. Et puis, à tout à l'heure les gars.
Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner d'abord. Dans un premier temps, activez aussi la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les informations. Et donnez-moi une pouce bleu avant de suivre la vidéo. Et surtout, sachez que pour cette vidéo-là, c'est la bourse en Italie, voilà, la bourse de Padova, de l'université de Padova. Voilà, et sachez que j'ai déjà fait une première vidéo où j'expliquais, où je donnais des instructions sur les documents à fournir pour pouvoir postuler à cette bourse-là et comment est-ce qu'on pouvait aussi postuler à cette bourse-là. Voilà, mais aujourd'hui, je suis juste là pour essayer de postuler. Voilà, je vais essayer de postuler en même temps que vous. Comme ça, ceux qui n'arrivent pas à postuler vont aussi s'arranger et voir un peu d'aspect, un peu de chemin pour pouvoir postuler. Alors, on va aller rapidement. Je ne vais pas répondre ce que j'ai déjà fait auparavant. Ceux qui veulent voir la vidéo, je vais mettre en commentaire le lien de la première vidéo que j'ai déjà faite. Comme ça, vous allez voir où est-ce que vous devez passer et puis comment postuler. Donc, dans un premier temps, on va d'abord s'enregistrer sur le site. Et lorsqu'on va finir de s'enregistrer sur le site, on va essayer de postuler pour l'admission et en même temps la bourse. Donc, pour pouvoir postuler, vous venez là. Vous venez là. Et ici, n'oubliez pas l'élément qui est là. Vous devez signifier à chaque instant votre pays. Pour ne pas pour que le système soit adapté à votre pays et à la langue aussi. Donc ici vous mettez sign in ou bien register. Donc pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo, qui n'ont pas encore fait d'enregistrement, ils peuvent cliquer sur register. Et pour ceux qui ont déjà un compte, ils peuvent cliquer sur sign in. Nous on n'a rien, donc on clique sur register. Ça vient pour que on puisse d'abord s'enregistrer et ensuite passer à postuler pour la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour un premier temps, nous on va essayer d'abord de s'enregistrer. Donc ici vous avez vu ici I am a new applicant, donc c'est le premier. Ici c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Moi j'avais déjà fait ce compte là pour une autre bourse auparavant, parce que je vous explique, en ce qui concerne la bourse, les bourses italiennes, il y a un site où tous les étudiants s'inscrivent. Voilà, moi j'avais déjà fait cela il y a auparavant, où je vous avais montré une bourse, comment postuler à une bourse. Alors on s'était déjà inscrit dessus, mais cette fois c'est une autre bourse. Donc je prends l'aspect nouvelle candidature ou bien nouveau candidat. Voilà, donc je vais cliquer sur I am a new applicant. Donc je vais cliquer là. Voilà, donc arrivé là, on me demande juste de mettre mon mail. Donc je vais mettre mon mail comme ça. Ici, tous les mails qui sont là sont des mails des personnes que j'ai déjà aidé. J'enregistre pour ne pas oublier au cas où ces personnes-là me recontactent pour me signaler qu'elles ont oublié le mot de passe et tout ça. Moi, je retrouve cela pour que la personne puisse enfin retrouver ses coordonnées. Voilà, donc ici, nous, on va mettre ici par exemple. Voici mon mot de passe qui est là. Voilà. Voici mon mail qui est là plutôt. Donc maintenant, je vais aller m'enregistrer. Si ce mail est déjà pris pour ce qui concerne cette bourse là, ils vont me signaler cela. Donc ici, on me dit you have sent a one-time login links to your email address. Please go to the email inbox, find the email and click the links in order to continue the enregistration process. Donc ils disent qu'ils ont envoyé comme ça sur ma boîte email, dans ma boîte email, un lien où je dois cliquer pour pouvoir continuer. If you ask it for a pin code, please use. Donc ils me disent que lorsque je vais arriver là-bas comme ça, quand je vais cliquer sur le lien qu'ils m'ont envoyé en commentaire, si on me demande un code, de mettre 2423. Donc on va aller directement dans mon mail pour voir le lien qu'ils m'ont envoyé là-bas. Alors, on va aller voir si on a reçu. On va continuer. Ok, donc voici le message qui est là. Voilà, donc comme vous voyez là, vous voyez qu'on a reçu un message. Donc ici, on dit please click on the links. Voilà. Donc je vais cliquer le lien qui est là pour pouvoir continuer. Et si on me demande un code, ils ont demandé de mettre 2423. Si on me demande le code, je mets 2423. Voilà la place du code. Et on m'a demandé de mettre 2423, je crois, si je me rappelle bien. Ok, 24
23 et on vérifie. Si c'est mon code, alors. Ok, donc c'est la première fois que vous connectez à l'université Padoue avec votre Dream Street. Vous partagez les données suivantes. Ok, vous voyez ici, ils m'ont déjà récupéré. Ils ont dit que j'ai déjà un compte sur le site. Voilà, donc si je veux, je rejette. Et si je veux aussi, je n'ai qu'à approuver pour pouvoir continuer avec cette plateforme là. Voilà, donc je vais approuver pour continuer. Comme ça, je ne serai pas obligé de répondre à chaque instant toute la procédure. Vous voyez, ils ont déjà mis mon nom et prénom. Parce que comme je vous avais dit auparavant, j'avais déjà commencé à postuler. Mais pas cette bourse là, mais une bourse antérieure. Vous comprenez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc maintenant, on va continuer. Et si c'est bon, j'autorise l'université de Padoue à vérifier toutes les informations fournies dans une candidature, y compris mon parcours universitaire. Donc, je vais cocher ce qui est là. Je certifie que, ouvrez le lien, j'accepte les conditions générales du traitement des données. Ok, donc maintenant, je vais continuer. S'il y a un souci, ils vont me faire signe pour que je puisse voir. Attestez votre avenir avec nous. Ok, donc ici, bienvenue sur la plateforme de candidature en ligne de l'Université Padoue pour les étudiants internationaux. Votre voyage est avec nous ici. Ok, et lorsque vous arrivez là, tout est déjà ici. Nous, on avait déjà, on m'envoie des messages. Nous, on avait déjà fini. Donc maintenant, on va essayer de s'enregistrer. Ok, donc je vais étudier comme ça. Quoi, la licence, je vais prendre comme si je venais étudier la licence. Donc je vais cliquer sur licence et puis je vais faire recherche pour qu'on puisse me montrer toutes les plateformes, c'est-à-dire tous les programmes que je veux. Donc choisir des départements spécifiques, licence il y a 72 pour l'année 2022-2023. Donc je vais décocher ceux qui sont là. Et le coût, par exemple, si j'ai un certificat en anglais, je laisse anglais. Et si je n'ai pas de certificat en anglais, je coche les deux et je mets italien, anglais ou bien je coche tout ça. Voilà. Maintenant, ça sera mieux de cocher italien, anglais pour ne pas combiner les éléments. Afficher uniquement le programme auquel je peux postuler. Donc ici, pour une licence, vous cochez licence. Pour les cours de langue, je répète ici, si vous avez un certificat en anglais, vous pouvez cocher anglais. Si vous n'avez pas de certificat en anglais, vous cochez italien, comme ça. Si l'université vous propose de faire d'abord un an d'année de langue avant de pouvoir continuer et postuler, et avant de pouvoir continuer, vous cliquez sur italien et anglais. Voilà, maintenant, on clique sur recherche. Vous voyez ici, recherche, il y a 5. Donc, recherche, il y a 5. Donc, ici, par exemple, comme ça. Département de biochimie, il y a biochimie. Appliquer maintenant, date début d'application, ici c'est le 7 janvier, vous comprenez, donc dans 2 jours. Voilà, et la date limite, ça sera le 7 mars. Donc vous voyez directement ce que vous devez faire. Ça, c'est parce que j'ai choisi ces éléments là. Ici aussi le 7 janvier, ici aussi le 7 aussi. Alors on va essayer de trouver où c'est pas le 7. Voilà, donc ici je vais sélectionner tout. Voilà, parce que c'est le 16 janvier qu'ils vont ouvrir pour que vous puissiez postuler. Donc je vais sélectionner tout pour voir un peu s'il y a des facultés qui ont déjà commencé, ainsi on pourra postuler. Ok, donc ici c'est le 7, ici date limite le 2 février. Ça c'est déjà ouvert, la date limite c'est le 2 février. Donc une fois que vous mettez vos coordonnées, c'est-à-dire ce que vous voulez, le programme que vous voulez effectuer, et que la date est passée, la date n'a pas encore débuté, ils vont vous dire. Si la date est déjà passée aussi, ils vont vous dire. Et ici vous voyez ici, si pour une personne qui veut faire par exemple le patrimoine culturel, la date ça a déjà commencé et la date limite c'est le 2 février 2022. Pour une personne qui veut faire de la physique aussi, la date limite c'est le 2 février. Donc ça veut dire que vous devez essayer de vite postuler. Voilà, donc
Imaginons que moi, je veux faire par exemple comme ça de l'ingénierie informatique, comme ça. Donc, je vais cliquer sur appliquer maintenant ici. Voilà. Je vais cliquer sur appliquer maintenant. Et je tombe ici, par exemple, comme ça. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, moi, je vous montre comment est-ce que ça se passe, comment ça se déroule. Et c'est à vous maintenant de pouvoir gérer tout cela. Donc, ici, bienvenue à l'Université de Padoue. Sa ligne demande, l'institution en ligne demande la plateforme internationale des élèves. Commencez votre voyage ici. Le profil, si vous avez reçu un italien baccalauréat, ça c'est la traduction qui n'est pas bien faite. Tout est en anglais, mais je vais laisser en français pour que vous puissiez au moins savoir ce qui signifie là, et puis vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. Veuillez noter que c'est pas la correcte procédure pour appliquer. Veuillez plutôt vérifier les instructions d'appel de candidature générées. Ok. Ici, comment remplir votre demande de formulaire? Ce formulaire de demande est divisé en différentes sections, répertoriées dessus la gauche. Voilà. Donc ici, vous allez voir votre profil ici. Vous allez comme ça essayer de remplir les éléments qui sont là. Voilà, ça vous savez déjà comment ça se passe, alors je vais pas perdre le temps dessus. Voilà, et lorsque vous allez finir de remplir là, vous allez aussi venir là dans contact. Ici, vous allez remplir vos contacts, vos éléments. S'il y a des questions, comme je dis, écrivez-les en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Voilà, donc après ça, éducation. Ici, vous allez essayer de mettre tous les éléments, tous vos, je vais dire comme ça, tous vos dossiers ici et vos moyennes. Les moyens que vous avez déjà reçus. Après cela, voici la langue qui est là. Donc pour cette faculté-là, veuillez décrire vos compétences en langue étrangère. Si vous avez passé des tests pertinents qui attestent de vos compétences linguistiques, veuillez également énumérer les tests et les scores. Donc ici, votre langue maternelle. Si vous avez quoi, français, anglais et tout ça, vous mettez ça là. Voilà. Et si l'université vous demande d'autres langues aussi, vous insérez. Mais vous voyez que ce n'est pas vraiment obligatoire de connaître ou bien d'avoir accès à la langue anglaise pour pouvoir postuler. Vous comprenez? Voilà. Donc ici, vous devez juste mettre votre langue. Et si il s'avère que vous devez postuler pour une langue anglaise ou bien insérer des certificats de langue italienne, ils vont vous signifier cela. Mais ici, c'est pas vraiment obligatoire. Donc une fois que vous finissez là, vous allez mettre ici les documents que vous avez déjà téléchargés en haut là-bas. Vous allez les voir ici, qui seront énumérés, qui seront visibles ici. Voilà. Donc après cela, il y a autre. Vous lisez juste là. Si vous jugez important d'informer l'université de votre état de santé, si vous êtes handicapé, vous avez de l'handicap ici, vous pouvez énumérer là. Veuillez nous faire savoir comment vous avez trouvé les informations concernant. Donc ici, vous pouvez mettre masse média et tout. Voilà ici, moteur de recherche ou bien masse média. Vous choisissez comment est-ce que vous avez vu. Si c'est grâce à mon compte YouTube, par exemple, que vous avez vu, vous pouvez mettre par exemple Instagram ici. Vous pouvez mettre par exemple Facebook. Voilà, vous pouvez mettre Facebook, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, donc ça, ce n'est pas un souci. Et arrivé après cela, il y a liste de contrôle. Ce que j'aimerais vous dire, sachez que nous postulons pour nos abonnés. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, nous sommes disponibles. Vous n'avez qu'à nous envoyer vos dossiers et puis par rapport à cela, on va essayer de gérer cela. Donc, une fois que vous arrivez dans la liste de contrôle, vous allez voir que tout ce que vous avez mis en ligne doit apparaître ici. Voilà, tout doit être ici. Et lorsque vous allez finir avec tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant chercher à soumettre par là. Vous allez maintenant essayer de soumettre. Et lorsque vous soumettez, c'est déjà tranquille, vous avez soumis votre demande. Donc, s'il y a des éléments que vous devez savoir et que je n'ai pas expliqué, vous n'avez qu'à écrire en commentaire. Comme ça, moi aussi, je vais essayer de voir et vous expliquer pour que vous puissiez au moins savoir comment postuler et puis comment gérer cela. Donc, les gars, c'était ce que je voulais vous montrer. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour qu'on puisse postuler pour vous cette bourse-là, essayez de nous contacter. Voilà, ça sera vraiment un plaisir pour nous de travailler avec vous. Ok, donc ne vous inquiétez pas pour cette année 2022, essayez de postuler au maximum de bourses. Voilà, essayez vraiment de postuler au maximum de bourses et dans les pays qui vous conviennent.
Donc c'était un peu ça, c'était moi de Samos Pita. Et surtout n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. A plus les gars.